Hey tout le monde, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Et donc, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous donner le nom de la personne qui a remporté les 5600 V-Bucks de mon concours organisé mardi dernier avec Lorenzo69. Vous le voyez à l'écran, j'ai filmé le tirage au sort pour vous prouver qu'il n'y a aucun fake et que je n'ai pas sélectionné un pote à moi ou un faux compte. J'ai donc entré simplement l'adresse de ma vidéo YouTube sur un site qui analyse tous les commentaires de la vidéo. Et donc, c'est Trickster qui a été sélectionné et qui remporte ses V-Bucks. Je vais donc contacter pour lui remettre son lot. Donc mec, si tu regardes cette vidéo, bah regarde tes messages privés sur YouTube et réponds-moi. Et pour ceux qui veulent le gagnant de sauver le monde, il faudra vous rendre sur la chaîne de Lorenzo pour avoir le résultat. Donc je sais pas trop quand il fera le tirage au sort, mais ça ne devrait plus trop tarder, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne de temps en temps. Bref, on va passer maintenant au sujet de la vidéo, à savoir Fortnite sur Nintendo Switch. Et oui les amis, quand est-ce que Fortnite va sortir sur Nintendo Switch? Eh bien c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent à l'heure actuelle et qui n'a malheureusement toujours pas de réponse vu que Epic Games reste assez silencieux sur ce sujet. Pourtant, il est quasiment certain que le jeu arrivera sur la console de Nintendo avant la fin de l'année. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, et ça c'est l'argument le plus intéressant que je vais vous donner, c'est qu'il faut savoir que la Nintendo Switch cartonne dans quasiment tous les pays au niveau des ventes. Pour info, au 31 mars, elle s'était vendue à presque 18 millions d'exemplaires. En seulement une année de commercialisation, hein, les amis, puisqu'elle est sortie, je crois, en mars dernier, enfin, début d'année 2017. Donc je pense qu'au moment où je vous parle, en mai, elle doit avoir largement dépassé le cap des 20 millions. Et du coup, il est impensable qu'Epic Games passe à côté de 20 millions de joueurs. Enfin, c'est impensable. Deuxièmement, c'est tout simplement une déclaration de Donald Mustard, en janvier 2018, Donald Mustard qui est le directeur créatif de Fortnite, et donc il a répondu à un fan sur Twitter qui lui demandait quand est-ce que Fortnite allait sortir sur Nintendo Switch, et bien il lui a répondu qu'il était intéressé par porter le jeu sur Switch et qu'il espère que Epic Games le fera. Donc là on a clairement une preuve qu'il pense à la Switch, hein. Enfin en tout cas Donald Mustard, peut-être pas tout Epic Games, mais voilà c'est quand même le directeur créatif du jeu, donc c'est quelqu'un de très important je pense au sein d'Epic Games. Et voilà, ils ont pas dit non c'est mort, c'est pas dans nos plans, on le sortira jamais sur Switch. Voilà, il y a quand même des portes ouvertes. Bon, je pourrais éventuellement vous donner une troisième raison en vous disant que Fortnite est sorti sur iPhone il y a quelques semaines. Et bientôt sur téléphone Android. Et que du coup, bah, ça serait très étrange qu'Epic Games nous sorte une excuse du style bah non, on peut pas le sortir sur Switch parce que bah il y a des problèmes techniques, la console elle est pas assez puissante. Voilà, ça, à l'époque de la Wii et de la Wii U, il y avait pas mal de développeurs qui sortaient cette excuse pour pas sortir un jeu sur la Wii et la Wii U. Ils disaient que les consoles de Nintendo bah, elles étaient pas assez puissantes pour faire tourner les jeux. Mais là quand tu vois que Fortnite il tourne très bien sur iPhone, bah t'es foutu mec, tu peux pas dire que la console elle est pas assez puissante. Si ça tourne sur iPhone, ça tourne forcément sur Nintendo Switch. Même si le jeu il va être réduit, voilà, les graphismes seront moins beaux, etc. Il y aura moins de détails. S'il tourne sur iPhone, il tourne sur Switch, ça c'est clair et net. Donc voilà trois bonnes raisons pour que Epic Games se décide à porter Fortnite sur Nintendo Switch. Après, oui, ça reste mes propres arguments, hein. Si ça se trouve, Epic Games s'en tape complètement des 20 millions de joueurs de la Switch. Et ils sont prêts à passer à côté d'un petit pactole, hein, un pactole que les joueurs de la Switch bah, pourraient leur apporter hein, en achetant des skins sur Fortnite, etc. Ah, ils pourraient très bien s'en passer, après tout, ils sont déjà très très bien financièrement. Mais bon, j'ai encore mieux les amis, j'ai une petite info à vous partager pour appuyer mes propos. Enfin, c'est pas vraiment une info, c'est plus une rumeur qui est sortie sur internet le mois dernier. Et donc en fait, on a un mec sur Twitter qui s'appelle LeakyPandy, et qui a révélé que Fortnite sur Switch sera annoncé en juin lors de l'E3 2018. L'E3 2018 qui est, je vous le rappelle, le plus grand salon de jeux vidéo du monde et que je pense vous devez tous connaître. Alors évidemment, je vous l'ai dit, c'est plus une rumeur qu'une info, mais le gars est connu pour avoir balancé de vraies infos dans le passé, donc il y a quand même pas mal de raisons de le croire. Et puis, quand on réfléchit, bah c'est très probable que Nintendo annonce le jeu à ce moment-là, vu que c'est la période de l'année où tous les constructeurs et développeurs font un maximum d'annonces, hein, ils envoient toutes leurs cartouches pour faire rêver les joueurs, pour bah, du coup leur donner envie d'acheter la console dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et donc imaginez Nintendo, ils vont nous annoncer bah, des nouveaux Mario, des nouveaux Zelda, des Animal Crossing, etc. Bref, je vais pas vous faire une liste complète. Et à la fin, bah, ils pourraient très bien terminer leur show
en annonçant l'arrivée de Fortnite sur Nintendo Switch. Moi perso, je vois bien les choses se dérouler comme ça en plus, hein. Avec un petit trailer montrant les gens jouer dehors en mode portable à Fortnite en Battle Royale, ça serait une grosse tuerie. Parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir kiffé l'arrivée de Fortnite sur iPhone, mais on va être honnête, c'est juste injouable avec le tactile. Alors que avec la Switch, bah, en mode portable, on a les joysticks. Hein, pour ceux qui ont la console, bah, ils savent de quoi je parle. C'est comme si t'avais une DS en fait. Et donc voilà, ce serait juste parfait de voir qu'on peut jouer dans le bus, qu'on peut jouer dehors dans un parc avec ses potes, tu vois, au soleil et tout. Enfin, vraiment, ce serait un gros coup de maître que Nintendo annonce ça avec un petit trailer bien stylé qui nous mettrait des étoiles dans les yeux, voilà, qui nous donnerait envie d'acheter la Switch. Et surtout que, attendez les amis, j'ai pas terminé. Le gars là Twitter, LeakyPandy, il annonce même que le mode Sauver le Monde proposera du contenu exclusif Nintendo. Donc en gros, on pourrait avoir des skins Mario, Luigi, Link, enfin tous les persos Nintendo quoi, pour nos personnages dans Sauver le Monde. Et ça mon gars, je pense que ça mettrait un bon gros KO à tous les joueurs PC, PS4 et Xbox, puisque on aime tous Mario et compagnie, on aime tous Nintendo. Et voir des skins spécifiques à la Switch, bah, ça donnerait vachement envie aux gens d'acheter Fortnite sur Nintendo Switch, enfin, en tout cas d'acheter les skins quoi. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, hein, de mes arguments et de l'info, enfin de la rumeur de LeakyPandy. Et dites-moi aussi, quel skin Nintendo vous aimeriez pour cette version Switch? Lesquels vous seriez prêt à payer? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous donne rendez-vous en juin pour vérifier cette rumeur, voire peut-être avant, hein, peut-être que l'info tombera avant le 3, on sait jamais. Moi je vous dis portez-vous bien, bon ramadan à ceux qui font le ramadan, tchuss! We'll be right back.